Oui, mon fils. Ton père est parti. Il nous a tous laissés comme ça. Mon prince, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous devez vous calmer et prenez courage. Vous devez consoler votre mère et vos sœurs. Hein? Rappelez-vous, toute cette communauté compte sur vous. Hein? Prenez courage. Ha 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 ha
Même si tu te tues toi-même, cela ne va pas ramener ton père en vie. Il est mort et parti pour toujours. Ce que tu dois faire, c'est d'être fort. Essaye d'être fort. Ne laisse pas tes gens te voir dans cet état. Parce que personne ne veut d'un roi aussi faible. Tu dois te concentrer à devenir roi et à diriger ton peuple. Tu sais que je passais plus de temps en dehors de cette communauté. Je ne connais pas trop les règles de notre tradition. Ah. Je pensais que le père vivra très longtemps pour m'enseigner à comment devenir le roi. Ça, c'est la raison pour laquelle je t'ai demandé de rentrer à la maison immédiatement. Tu peux encore apprendre même pendant l'absence de ton père le roi. Prouve-leur que tu es brave. Prouve-leur que tu vas travailler pour le trône. Montre-leur que tu es réellement le fils du roi. Tu as maintenant besoin d'une femme à côté de toi pour t'aider avec tout ça. Maman, la femme n'est pas un problème. J'ai déjà quelqu'un, maman. Ça, c'est bien. Je pense qu'il est maintenant temps, il est temps pour toi d'officialiser ta relation. Fils, alors ta nourriture. Tu l'as pas touchée. Pourquoi? C'est bon. Je ne vois même pas quoi faire en ce moment. T'es torturé ne va pas résoudre le problème. Fais, s'il te plaît. Va et mange ta nourriture. Ah, maman. Tu veux encore pleurer? Qu'est-ce que tu attends de moi? Hein? Allez, c'est bon. Nous voilà. Nous devons être sages, vous voyez? Mais vous savez que nous venons tout juste d'arriver. Ben oui, bien évidemment, il a raison, parce que nous devons être sages. Vraiment, nous devons être sages. Voyons voir. Es-tu sûr? Oui. D'accord, calmez-vous. Ah. Salutations, les anciens. Mon prince. Bienvenue. Soyez le bienvenu. Désolé de vous avoir fait attendre. Non, pas de problème. Alors, la réunion peut commencer. Merci, mon prince. Je vous en prie. Mes anciens, je vous salue. Oui. Ono. Mon prince. Ono. Premièrement, nous voulons officiellement vous souhaiter bon retour. Bien, et que la date de l'enterrement de notre défunt roi a déjà été fixée. Dans 3 semaines à partir de maintenant. Et comme la tradition le demande, nous savons tous qu'un festival a toujours eu lieu. Et cette cérémonie
est toujours dirigée par le premier fils du roi, du défunt roi. Ce qui te sera fait. Alors, nous sommes venus pour vous dire tout ce qui est demandé pour le festival. Oui, mon prince, il est demandé que tous les quatre villages qui composent le royaume d'Amoku doivent fournir à chacun une vache pour cette cérémonie. Oui. Oui, tous les quatre. Car, comme nous le savons tous, nous avons perdu un grand roi. C'est ça. Alors, beaucoup de chefs coutumiers, aussi des officiels du gouvernement, sont entendus tous ces jours-là. Ceci sera un très grand funérail qui se fera dans la terre d'Amogo. Sur ce, nous devons bien faire les préparatifs car il y aura beaucoup de prêtres religieux et autres invités de marque. Les anciens, merci beaucoup. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Bien sûr que vous avez déjà choisi des méthodes stratégiques, ok? J'aimerais vous dire ceci. Je vais faire tout ce qui m'a été requu. Traditionnellement, pour enterrer mon père dans de bonnes conditions. C'est vraiment ça, mon prince. Mon père était un bon roi, comme vous le dites. Oui. Il mérite d'être bien enterré. Ok. Pendant ce moment de deuil, je veux me rendre disponible et fournir tout ce qu'il faut. C'est vraiment le fils de son père. Mon prince. Mon prince, fierté de votre père. Oui, l'agence. Vous me contactez à 599450 maintenant. Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Oui, donne-moi ces documents. Cette personne. Personne n'est venu pour sa caution? Pas encore, monsieur. Donc vous avez vu personne? Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends rien. Mais qui a signé cette caution? Mais qui l'a signé? Je crois que c'est Franck, monsieur. Franck a fait quoi? Je pensais avoir laissé des instructions que personne ne doit faire sortir ces jeunes hommes. Pourquoi? Je ne sais pas, monsieur. Sais-tu comment moi et mon équipe, on a dû souffrir pour arrêter ces jeunes hommes? Des désastres causés en Abuja à cause de ces jeunes hommes. Et Flact lui a fait ces... Quoi? C'est pour quelle raison, ça? Je ne sais pas, monsieur. Tu peux disposer. Merci, monsieur. Je m'en vais. Maman, ça c'est beaucoup trop pour moi. Le préparatif d'enterrement de mon père, et c'est beaucoup pour moi. Je me sens vraiment bizarre, si tu veux savoir. Ça, c'est la tradition, fils. Et ça doit être fait. D'ailleurs, c'est ce qui est ton père préféré. Je sais, je préparais juste 17 vaches. Tu sais. 17 vaches ne peut pas être assez pour ton père, le roi. Tu dois lui accorder une cérémonie digne de son rang. Ma reine.
Doris, ma reine, merci. Comment vas-tu? Bienvenue. Merci. Allez les gars, vous allez m'excuser si ça ne vous dérange pas. Oh, ok. Bon, mon prince, eh ben, comment allez-vous? Hein? Qu'est-ce que je peux dire? Les anciens étaient là, il y a de cela quelques heures. La date de l'enterrement a déjà été fixée. La cérémonie interviendra dans 8 semaines. Mais les Ophala viendra, je crois, dans 1 semaine. Ah, c'est très bien. Ouais. C'est comme ça que tu supposes que ce soit. Que le Ophala vienne avant le funérail. Oui, comme tu dis. Ok, alors, comment tu te prépares pour les arrangements? Oui, ça c'est une étape que je vais franchir parce que je ne connais pas trop à propos de ça. Et toute la tradition. Et j'aimerais que tu sois là à mes côtés pour m'enseigner des choses que je ne connais pas encore. Parce que je ne vais pas donner l'impression à ces anciens que je ne connais rien du tout. Je comprends, c'est ok. Je pense, juste pour toi, je vais essayer de te supporter. Je vais essayer un peu d'apporter la sécurité juste pour te protéger. Ça, c'est mon frère. Merci. Alors, comment va ta mère? Oh, celle-là, elle se porte bien. Elle doit vraiment me pardonner parce que je n'ai vraiment pas le temps d'aller la voir des brochures rentrer. Même de l'eau, ça peut aller. C'est chez toi, tu peux faire tout ce que tu voudras. Qui est là? De l'eau, ça me suffit. Ma sœur, je suis là pour t'informer officiellement que la famille de mon mari viendra dans 2 semaines. Oui, c'est bien. Et je veux que tu m'aides à organiser tout ce qui va se passer là-bas au palais. Tu sais que je ne saurais rien faire. Et je veux aussi que tu puisses contrôler toutes les femmes dans ce royaume. Je veux qu'elles viennent aussi. Et j'aimerais assez que tu prennes soin de tout, ma soeur. Hein? Hey, c'est pourquoi je suis là. Vous n'avez pas choisi un mauvais chemin. Je vais te satisfaire. Seulement comme tu es venu ici, je prendrai soin de tout. Et tout le monde va s'étonner pour ce qui va se passer. Hein? Tu es venu dans une bonne place. Deuxièmement, tu sais à propos de ce qui nous est arrivé. Ça, c'est bien. Je veux qu'ils en prennent soin eux-mêmes. Je ne veux pas que l'un d'entre eux rentre en femme à la maison. Ils doivent assez manger et boire. Ma sœur, hein? Cela n'est pas ton problème. Notre peuple, et je prendrai soin d'eux. Heureusement que tu es venu dans une bonne place, et je te rassure que tout ira bien. Oh. Alors ne t'inquiète même pas parce que tout ira déjà bien. Oh, Subadro. Alors pourquoi sommes-nous des sœurs? Sois tranquille. Merci beaucoup, ma sœur. Tu es la seule que j'ai. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Merci. Ne t'inquiète pas. Que Dieu te bénisse. Oh. Majesté, Majesté. Les anciens. Merci d'avoir été là pour nous pendant l'enterrement de mon père. Notre dauphin roi, ton père, était un grand homme de paix. Mm-hmm. Il nous a dirigés avec beaucoup d'amour. Donc nous réciproquons seulement parce que il était un homme bien. Ah, que vous connaissez, n'est-ce pas? Alors, ne le remercie pas. Oh, mes anciens, comme je le dis avant, le funérail de mon mari est terminé. Et cela n'aurait pas dû être possible sans votre aide. Merci. Merci beaucoup, ma reine. Merci. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Notre dauphin roi était un grand homme d'honneur. Et il méritait d'être enterré avec honneur. Oui. Tout est bien fini. Maintenant, dites-moi, quand est-ce que mon fils sera couronné? C'est ça la chose. Ma reine. Oh non. Votre question est vraiment pertinente. Et ça mérite une digne réponse. Maintenant que votre mari, notre roi, est mort, est enterré. Le trône
Damoku, va à une autre famille. De votre famille à la prochaine famille dans la lignée. Quoi? Exactement. Quoi? Non, je t'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit? C'est ce que dit notre tradition. C'est quelle tradition ça? Maman, as-tu entendu ce qu'il a dit? Oh non, que veux-tu dire par? Ma famille doit laisser le trône. Pour aller où? Mon prince, ma reine, calmez-vous. Ce qu'Ono ici est en train d'essayer de dire, c'est que, selon notre tradition, lorsque le roi meurt, la royauté va de sa famille à la famille suivante. Exactement. Dans ces royaumes d'Amoku, la royauté va d'une famille royale à une autre. Oui. Cette loi a été mise en pratique depuis nos ancêtres. Tu essaies de dire que mon fils ne va pas devenir roi? C'est exactement ça. Assez! C'est quoi cette histoire ici? Jamais de ma vie. Vous pensez que je ne connais pas? Je ne connais pas vos plans. Je sais comment en finir avec vous. N'importe mon quoi. Prince. Mon prince, vous devez écouter. Ma reine, vous devez d'abord nous entendre, s'il vous plaît. Comment expliquer que mon mari ne m'a jamais parlé de ça? Tout ce que je sais, c'est qu'après mon mari, mon fils doit succéder. Mais qu'est-ce que vous essayez de me dire là? Vous devez d'abord nous écouter. Écoutez, la royauté à Amoku est rotationnelle. Oui. Elle va d'une famille, de la famille d'un roi, vers l'autre. Ouais, ça a été une tradition dans notre royaume. Depuis très longtemps. Depuis très bien longtemps. Ça n'a pas commencé maintenant. Et nous ne pouvons pas le changer maintenant. Oh, s'il vous plaît, épargnez-moi avec vos explications. Laissez-moi vous dire. Ouvrez très bien vos bouches et dites-moi pourquoi mon fils ne peut pas devenir roi. Que vous le voulez ou non, mon fils va devenir roi. N'importe quoi. Ma reine, c'est comme ça que vous nous parlez? Laissez-la partir. Elle va nous chercher. Elle va nous chercher. Bébé, qu'est-ce qui se passe? T'es pas de bonne humeur. Ils veulent me voler les trônes. Mais je ne les laisserai pas faire. Jusqu'à ma mort, ça ne va pas arriver. Je ne comprends toujours pas. Qui cherche à te ravir, c'est qui te revient en tes droits? Ils l'ont planifié. Ils l'ont déjà planifié. S'ils attendent que moi, je les permette, ils ont tort. Mon amour, je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais tu dois d'abord te calmer. Calme-toi, ça va aller. Arrête de me dire de me calmer. Qui sait, c'est qui cherche seulement à savoir combien tu es mature et aussi patient. C'est quelle sorte de bêtise que tu me dis là? Hein? Comment tu peux appeler cela? Chérie, tu n'es pas en train de te battre avec qui que ce soit. Je me dis que c'est juste un... Tu ne peux pas faire cela. Tu penses que c'est une blague? Est-ce que tu connais ce qu'ils m'ont dit? Que la loyauté de notre famille doit quitter pour aller à une autre famille. Et tu appelles ça une blague? Si ils décident de le faire ainsi, alors le jeu ne sera pas facile. Ça va être une folie. Mon amour, détends-toi. Je sais que tout ira bien. S'il te plaît, ne me dis pas de me calmer. Ça va aller. Ma soeur, tu crois ce que j'ai entendu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air inquiète. Imagine que Ono vient de me dire que le trône doit quitter ma famille pour une autre après la mort de mon mari. Cela veut dire que mon fils ne peut pas devenir roi. Non, je ne comprends pas ce que tu dis. Ono dit que ton fils ne peut plus être le roi. Oui. Mais pourquoi il peut dire ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas où, c'est exactement ça mon problème. Hein? Le trône, c'est à mon fils de succéder. Je n'ai jamais vu la royauté rôter. Je ne peux pas accepter cela. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pourquoi je suis ici, ma soeur. Je ne sais quoi faire, je suis confuse. Hey! Qu'est-ce que je veux faire? Il doit y avoir une raison derrière tout ça, je crois. Je crois fermement qu'il y a une raison. Il y a vraiment une raison.
Quelles sont les raisons, ma soeur? Dis-moi. Oh! N'est-ce pas parce que ton fils n'est pas encore marié? Ok. Donc on ne peut pas lui déclarer roi sans toute fois qu'il se marie, il doit se marier. Parce qu'il doit avoir une femme avant qu'il soit couronné. Ça peut être une des raisons. C'est ça la raison. Je crois s'il se marie, il sera couronné. Tout ce que je sais, c'est que le trône appartient à mon fils. Et personne ne peut l'arracher. Pas tant que je suis en vie. Nous devons faire un effort afin qu'il se marie. Hein? Et je veux que tu sois forte. Je vais le faire. Tu dois juste être forte. Ok? Il n'y a aucune raison qui fait en sorte que le pouvoir quitte ta femme. Ok, ma soeur. C'est bon? Ne laisse pas ces choses te surpasser. Hé, attends. Ton fils, il a une petite amie qu'il aimerait épouser. Oui, il a... Ma chérie, sois forte. C'est Mba. Bon. Ok. Amanda. Dis-moi d'abord, Chimamanda. Il a une personne? Oh, Chimamanda, je me rappelle. Elle n'a pas disparu. Qu'est-ce qui pourrait être si important pour faire déplacer aussi loin ma reine pour venir me voir? Oh non, tu es le meilleur ami de mon mari. Il était prêt à tout faire pour toi, souviens-toi, pendant qu'il était en vie. Et j'espère que tu peux également le faire pour ses enfants, si seulement c'est pas trop te demander. Ma reine, vous et moi savons que ce que vous venez de dire est vrai. Oui, je l'ai été. Et je continuerai à l'être, justement. Alors, je n'arrive pas toujours à comprendre où vous voulez en venir. Le trône, Ono. Le trône appartient à mon fils. Ça, c'est un héritage. Pourquoi voulez-vous le lui arracher cela? Même si d'autres aînés veulent le lui enlever, tu devrais pourtant te battre pour mon fils. Le trône n'a rien à voir avec moi. Je ne suis qu'en train de suivre la tradition, comme cela m'est attendu. De quelle tradition parles-tu? C'est la tradition qui vient enlever mon fils de ses droits? C'est de cette tradition que tu parles? Ma reine, personne n'a l'intention de dévier votre fils de son droit de naissance. Juste comme je viens de vous le dire, je ne fais que suivre la tradition et personne ne peut le changer. Et si j'ai le changé, je connais ta crainte. Parce que je connais très bien tout à chacun de vous. Tu n'en as pas parlé. Je vais te donner une somme de 5 millions de naira. Si seulement tu peux convaincre tout votre cabinet de couronner mon fils roi. Oui, il s'agit des millions. Abomination. Je ne peux jamais souiller mes mains dans les mauvaises pratiques. Votre Majesté, si c'est pourquoi vous êtes ici, je suis désolé, ma reine. Vous feriez mieux de partir. Tu essayes de me mettre hors de ta parcelle? Je suis désolé. Oh non. Je t'offre de l'argent. L'argent qui peut changer ta vie. Pense à propos de ça. Restez avec votre argent. Je ne suis pas affamé. Es-tu sûr? Je ne peux jamais vendre ma conscience pour un montant quelconque. Excusez-moi. Oh non. On est en train de parler de 5 millions de naira. Attends, maman. Tu as dit que Ono t'a chassé de sa maison? Est-il malade? Alors, maman, c'est quoi la prochaine option? Soyez tranquilles, mes enfants. Je pense à quelque chose.
Pourquoi tu veux t'enflammer comme ça? Essaye de te calmer. C'est ça le problème avec toi. Tu continues à me dire calme-toi, alors les choses s'empirent. Tu ne peux pas contrôler ces gens. Je t'avais dit, maman, permets-moi d'en finir avec eux. Non, fils. Laisse ces combats aux vrais combattants. Si le plan A échoue, on va faire le plan B. Tu dois écouter maman. Elle connaît ces choses plus que toi. Ok? Laisse-la trouver des solutions. Obiora, elle connaît bien le jeu de maman, n'est-ce pas? C'est la même manière qu'on a été insulté aujourd'hui. Ok bien. Je vais me retirer et je verrai si ton plan va marcher. Onohu, tu as malheureusement touché dans une mauvaise adresse. J'attends ce qui va arriver juste après. Wow. Mais voilà notre roi. Voilà un grand monsieur. Mais voilà notre roi. Ah, voilà mon frère. Wanemo. C'est très bien. C'est une honneur. Mon prince. Oh, mon frère. Merci d'avoir honoré mon invitation. Tu vois, je sais que tu es trop occupé, mais tu es quand même venu. Ah bon, j'ai ton or, mon prince. C'est ça la vérité. Je suis content. Ouais, Dieu fait grâce. Longue vie et la prospérité. Tu es en train d'essayer de me dire que c'est à cause de tout ça qui est en train d'évoluer que tu n'as pas eu le temps de pouvoir me chercher. Désolé, mon frère. Je pensais que j'allais le faire moi-même. Je ne pensais pas que ça allait arriver à ce niveau. Ils ont osé te détrôner. On doit les faire retourner à la raison. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tout ce que je fais, c'est ta permission. Je peux aller là-bas le prendre tous de A à Z. Je m'attendais qu'on fasse la justice. Bien, mais je ne suis pas si sûr qu'ils vont faire quelque chose de bien. Ok, vas-y, fais ce que tu penses faire. Réjouis-toi déjà. Parce que la royauté revient sur toi. Akana bébé, mon frère. Tu as ma permission, mon frère. Au nom où c'est monsieur-là, il ne sait pas ce qu'il attend. Correct. Il m'a déclaré la guerre. Alors on va se battre. On va se battre. Akana bébé le premier. Ta. Tu as ma permission. Arrête-les tous. Il va me sentir avec mon peuple. Ichiibe, je suis complètement déçu de toi. Cette terre en question a été donnée à Afam par son père. Qui parmi nous, les anciens, ne sait pas ce problème? Ça n'honore pas du tout maintenant. Pour nous, les anciens, le protecteur de peuple et les lois traditionnelles veulent confier cette portion de terre en faveur de Duku.
C'est méchant. C'est inconstitutionnel. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ichihag, ceci c'est un grand mensonge. Ça c'était avant les Deferrois qui le met par lui-même. Oh. La dernière question se pose sur Ojukwu. Je répète, la dernière question se pose sur Ojukwu. C'est simple. Ah. Ibe. Quoi encore? Ibe. Donc tu as les kilos de me traiter d'un menteur. Et Ibe. Qui est-il? Tu as l'audace. Ça suffit un peu. Qui est-il? Ça suffit. La terre en question a déjà été jugée par notre défunt roi. Oh, c'est simple. Voyez-moi ça. Voyez-moi ça. Il complote. Officier, arrête-le. Arrête-le. Prince Hugo, qu'est-ce qui se passe ici? Il a foutu de sa batte sur toi. Pourquoi tu demandes cette question? Pourquoi veux-tu nous arrêter? S'il vous plaît, pourquoi devons-nous être arrêtés? La loi est respectée par tout le monde. Vous êtes en état d'arrestation. Comprenez mes anciens. Vous tous, vous allez juste me suivre au poste de police. Je vais juste prendre vos dépositions et par après, je vais vous libérer. Denis, ça veut dire quoi tout ça? N'es-tu plus notre fils? Ah. Mais pourquoi l'air de demander pardon? Juste pour vous interroger. Ne vous inquiétez pas. Une fois on sera là-bas. Arrête-le. Je vais juste vous interroger. Non, ne vous inquiétez pas. Avance là-bas. Écoute, si tes gifles doivent changer de couleur. Allons-y. Vas-y. Allez, allons-y. Hey, c'est quoi ça? Qu'est-ce que nous avons fait? Allons-y, partons. Je demande de savoir ce que nous avons fait. Je risque de... Avance. Hey. Écoute, ils doivent être tous arrêtés. Tous. Avance, vite, avance. Tu essaies même de refuser. Je peux voir que tu n'es pas prêt à parler. Si j'élève encore ma voix pour te poser la question cette fois, je t'assure que tu vas les regretter. J'ai répondu à tes questions. Non, tu l'as pas fait. Non. Pourquoi tu as dû faire appel aux autres anciens pour que vous arrachiez la royauté dans la main du prince? Et je te répondrai encore. Je n'ai comploté avec personne pour ravir le trône au prince héritier. Je suis innocent de toutes ces allégations. C'est vous. Vous êtes les Ono. Tête soudoyée par combien? Ono. Je n'ai rien pris auprès de quelqu'un. Arrête de me faire chier, sinon je vais craquer. Par combien tu as été soudoyé? Je ne sais rien de ce que vous me demandez. Je n'avais rien donné ou rien reçu. Tu crois que je plaisante? Tu crois que je vais te croire, hein? Que tu es innocent? Tu penses comme ça? Je suis un homme intègre. L'homme intègre ne ment jamais. Maintenant, tu me dis la vérité. Denise fait le nécessaire. Ces anciens doivent parler. Oh, peux-tu la fermer? Tu sais ce que ça va nous causer, tes réactions? Comment peux-tu aller jusqu'à l'extrême? Arrêter les anciens de cette terre. Je veux dire, tu prétends être plus fort. C'est une putain de la tête de l'arrestation de tous ces anciens. Ce n'est plus normal. Il est à l'entête de tout ça, sans leur donner la chance de les écouter. Pouvez-vous juste arrêter de vous inquiéter? Nous faisons le nécessaire. C'est simple. Je ne comprends pas pourquoi vous avez peur. Pourquoi ne pas appeler Denis et lui demander de relâcher tous ses anciens? Je ne suis pas d'accord avec. Voilà. Mon frère n'a rien fait de mal. On doit apprendre à ces vieux une très bonne leçon. Non, quelle leçon est-il en train de parler? Non, attendez, je vais appeler Denis et je vais lui dire de bien se comporter. Je vais dire ce qui est juste. Non, je préfère sans Denis.
L'homme intègre ne ment jamais. Mais pourquoi tu es en train de... Je vous ai dit la vérité. Je ne sais pas ce que je vais vous répondre encore. Tu crois que je plaisante? Tu crois que je... Tu crois que je vais... Regarde-moi, Sévier. Oui, allô? Oui, mère. Libère ces anciens, rapidement et maintenant. Dis-moi d'abord, comment tu as pu les faire? Tu ne pouvais pas agir de la sorte. Denise, n'ose pas les relâcher, ces gens-là. Denise, s'il te plaît, je te demande comme ta maman. Vas-y et libère ces anciens. Denise, c'est pas sûr, tu ne relâches pas personne. Ça. Denise, je te donne 20 minutes. Pour libérer tous les hommes que tu as arrêtés. Ne relâche personne. N'oublie pas, je dis 20 minutes. Peux-tu la fermer? Ne faites pas, c'est pas juste. Denise, seulement comme on t'a dit. Tu dois vraiment faire ce qu'on t'a dit. Ne relâche personne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi le problème avec vous? Michel! Maman! Je vais te donner ça si tu ouvres encore ta bouche. C'est quoi ton problème? Je ne comprends plus rien dans tout ça. Laisse-moi d'abord partir. Maman, arrête ça! Maman, arrête ça! Tu n'as aucune raison! Tu n'as aucune raison! Comment on peut te manipuler de la sorte? On te demande de faire arrêter les anciens de ton village. Et tu le fais sans avoir réfléchi. Maman, tu perds ta tête. Personne ne m'a utilisé. Je ne faisais que mon devoir. Quel devoir? Non, non, dis-moi, quel devoir que tu me parles? Faire arrêter les anciens de ton village, c'est ce que tu appelles ton devoir? As-tu un problème? Il n'y a vraiment rien de mal à ce que je fais, maman. Personne n'est au-dessus de la loi. Je ne fais que mon devoir, maman. S'ils commettent un crime encore, j'irai les arrêter. Ton devoir? Mais regarde-moi ça. Tout ce qu'ils ont fait, ton devoir. Faites attention. Je t'ai dit, prends garde. Tu dois vraiment faire attention, sinon tu vas regretter. Je crois que tu dois vraiment avoir un problème avec ta tête. Ton devoir m'importe. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je n'arrive plus à te comprendre. Faites attention, c'est quoi avec toi? Mais je fais ce que je suis supposé de faire, non? Faites attention, je t'ai dit. Mais Tony, maman a raison. Tony, pourquoi tu fais ça? C'est tout ce que tu vas causer entre toi et tous ces gens? Ce sont des gens bien. Tu dois faire très attention. Je sais que j'ai mal agi. Et je reconnais aussi mes erreurs. Mais maman ne pouvait pas me parler de cette manière, hein? Ne les blâme pas. Elle a fait ça juste sous la colère. Tu peux pas la blâmer. Parce que tu sais que demain soir, ça va arriver dans la bouche de tout le monde. Et tu sais sur qui ça va descendre? Maman. Et tout ceci va arriver juste à cause de tes réactions. Je ne fais que mon travail. Personne ne peut venir détruire ce que tu as fait jusqu'ici. Parce que tu viens de très loin. J'ai bien compris. Voici les quatre noirs, Nicolas, qui représentent les quatre villages de notre royaume. Amudo, Mupoji, Ifite, Isofia. Hey, hey. De notre terre, venez manger ces noix de cola avec nous. Oh non, approchez ici et prenez un de ces noix. Ça là? Oh non. Oui, oh non, Obi. Oh, ça c'est bien. Vraiment, il faut manger.
Nous mangeons ces noix de cola ensemble avec nos dieux de notre terre. Il faut qu'on mange. C'est ça. Merci. Vous êtes tous les bienvenus. Merci les sages. Merci Ononobi, le plus grand voyant de tout notre temps. Oh oui. Vous êtes venus pour consulter Okunoku concernant la royauté de notre royaume. Au regard de notre tradition. C'est ça. Comme vous le savez, la royauté de notre terre est rotationnelle. Et puis, ça a toujours été comme ça. Depuis des années, avant que ça ne reprenne à notre défunt roi. Partant de notre tradition, nous avons 4 enfants dans le royaume de Amoku. Amudo veut être le premier, là où la royauté est venue. Dans le passé de notre roi, où Sophia doit produire le prochain roi et qui viendra seulement dans la famille de Akubike. Et Akubike a 2 enfants, Unduka et Madi. Et Madi, c'est le premier enfant. Mais si Amadi meurt, ça veut dire que la royauté doit être transmise à son premier enfant, Denis. S'il vous plaît, je voudrais un peu vous poser la question. C'est que cela veut dire que Denis, l'officier de la police, celui que nous avait traité pour des criminels, il est choisi pour devenir le prochain roi? Je n'arrive pas à comprendre. Réponds-moi à la question, pardon. Vraiment. J'ai besoin de savoir. Ce n'est pas que je suis en train de vous embêter. Mais je préférerais ou je suggérerais que tu consultes les Okunuku pour la deuxième fois. Mais c'est ça. Parce que moi, tel que je suis là, je suis confit. Très confit. Et tous nous sommes confits. Hein? J'essaie un peu de vous expliquer. Denis, c'est le candidat idéal de prendre le trône selon notre tradition. La réunion a pris fin. Maman Denis. Naï. Denis. Nous sommes venus te passer l'information. Nous étions partis consulter Okunoku. Et Okunoku nous a fait réaliser que le prochain village qui doit produire le roi, c'est ton village. Oui, bien sûr. Et dans ces villages même, nous avons donc trouvé dans une famille celle d'Akubike. Et dans cette famille d'Akubike, tu arrives à être le fils potentiel pour être notre prochain roi. Comment ça? Je ne comprends pas ce que vous essayez de dire par là. Bicon, Naï Bicon, je suis un peu confuse. Vous essayez de dire que la royauté doit revenir à mon fils. Je suis confuse, je ne sais quoi dire. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Non, c'est pas possible. Denis, mon fils, ce que Onou est en train d'essayer de dire, c'est-à-dire que tu es choisi par Okunoku, selon notre tradition, pour diriger ce grand royaume. Oui. Tu deviendras notre prochain roi. C'est la volonté des dieux.
et non notre volonté. C'est vrai. Hey. Donc, vous essayez de dire que ça serait moi, le roi? Oui. 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 C'est ça. Alors, prépare-toi pour être couronné comme le prochain roi. Mais avant ça, il faut que tu fasses les exercices des Omobi qui viendront la semaine prochaine. Oui. Oui. Toi, prépare-toi juste. Tu es le prochain roi. Mes anciens. Oh non. Je pense que nous avons passé le message. Oui, tout est fait. C'est aussi fini. Merci pour ces noms de couleurs que vous nous avez offert. Nous devons donc partir. Notre futur roi. Vraiment. Ok. Ah! Non, moi je comprends pas. J'ai dit torturer ces gens, c'est vrai. Mais pourquoi m'ont choisi? Je ne sais pas. Ce que je sais, que tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est un peu compliqué. C'est compliqué avec notre doctrine, c'est un peu compliqué. Mais voyons, je vais d'abord aller ajouter la nourriture. J'arrive. Tu veux dire que tes gens t'ont choisi pour devenir roi? Le roi? Mon chéri, félicitations! Mais c'est une bonne nouvelle! Oh mon Dieu! Quelle bonne nouvelle! Très bien, alors dis-moi, qu'est-ce que tu leur as dit? Dis-moi, comment tu les trouves? Je peux pas l'accepter. Pourquoi? Je peux pas trahir mon frère. Hugo, c'est mon frère, je veux dire. C'est une totale conspiration. Donc je peux pas le faire. Chérie, attends s'il te plaît. Tu t'entends toi-même? Je veux dire, tes gens t'ont choisi pour devenir roi et tu dis que c'est pas ta conspiration. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça a à voir avec? Stella. Oh, s'il te plaît, écoute, tu dois accepter ce trône. Tu dois répondre à ton peuple. Stella, je ne vais pas accepter ce trône. Je ne peux pas être comme un traître pour mon frère, Hugo. Hugo a tellement fait des choses pour moi. Sais-tu combien de sacrifices il a fait pour moi? Tu veux que je puisse faire partie des gens qui souhaitent son malheur? Non. Laisse mon sac. Et comme tu sais, bientôt ce sera les examens. Et si je ne paye pas, je n'aurai pas le droit à passer les examens. Je pense que je peux t'aider. Mes parents m'ont remis un peu d'argent ce matin. Je te le remets pour que tu arrives à te payer aussi. Merci infiniment. Hey, merci beaucoup. Mais qu'en est-il de toi-même? Ne t'inquiète pas. J'irai dire à mes parents que j'ai perdu cet argent. Ils me donneront encore, ils ne voudront pas que je rate les examens.
Donc, tu as menti à cause de moi. Je préférais mentir plutôt que de réussir à rater les examens ou que tu quittes. Tu es mon cousin et ami que j'aime énormément. Merci. Ne t'inquiète pas. Je serai toujours là pour t'aider avec ce que j'ai. Enfin, je ne ferai jamais rien qui te déplaise ou quelque chose qui va briser tous les liens que nous avons. Merci infiniment. Ne t'inquiète pas. Va t'apprêter pendant que moi je vais récupérer ces frais scolaires. Sois déjà prêt lorsque je vais revenir. Hein. L'examen s'est bien passé. Dis-moi un peu, comment c'était chez toi? Tu es le plus grand mathématicien de notre classe. Je ne sais pas ce que j'allais faire si tu n'étais pas près de moi. C'est plutôt moi qui devrais te remercier. Sans ce que tu as fait, je n'aurais pas eu droit à l'examen aujourd'hui. À quoi servent les amis? Peu importe, dépêchons-nous pour la maison. Je suis vraiment affamé. D'accord? Viens très tôt demain. D'accord, au revoir. Tu dis que tu rêves de devenir un officier de police dans le futur? Je vais un jour mettre toutes ces histoires de bad boys. Bien, le projet de mes parents sera de me voyager à l'étranger pour finir mes études. Oh, c'est une bonne chose. Dis-moi, cela veut dire que je ne vais plus jamais te voir? C'était tout pour moi d'accepter, mais ils ont insisté. Alors je leur ai imposé une condition. Qu'ils doivent te prendre en charge jusqu'à l'université. Pourquoi tout ça? Parce que je voulais faire quelque chose de particulier dans ta vie. Et mes parents ont accepté de te donner une bourse. Alors, ma maman viendra voir ta maman. Personnellement. Hugo, je manque vraiment de mots. Je ne m'attendais pas du tout à cela. Merci infiniment. Ceci montre vraiment que nous sommes liés par le sang. De toute ma vie, jamais je ne te trahirai. Merci infiniment. Alors, dis-moi. Comment tu peux t'attendre que je puisse trahir un homme pareil? Je lui ai fait une promesse que je ne vais pas lui trahir. Que je ne peux pas lui faire du mal. Chérie, je comprends totalement ce que tu es en train de dire. Crois-moi, tu vas déranger personne. Tu sais que ce n'est pas toi qui as demandé de devenir roi. Ce sont eux qui sont venus vers toi. Alors tu dois répondre à l'appel de Jean. Si Ikudu est vraiment ton ami et ton frère, il doit comprendre ça. Je ne suis pas intéressé. Ils peuvent le donner à quelqu'un d'autre. Ou bien, le redonner à Hugo. Mais en ce qui me concerne, je ne suis pas intéressé et je n'en ai pas besoin. Et ne me dérange plus à propos de ça. Tu dois vraiment y réfléchir. Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, dis-moi. Les gens t'ont choisi. N'est-ce pas qu'il s'agit de la royauté? Accepter ces choses, c'est comme trahir ma propre sœur. Ne pas l'accepter, c'est comme ne pas obéir à la volonté de Dieu. Gloire à Dieu que tu sois au courant que personne ne peut aller à l'encontre de la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je suis supposée faire? Comment dois-je commencer à expliquer à la reine que ce n'est pas son fils qui est concerné? Comment je peux commencer? C'est ma propre sœur et nous sommes très collés. Dites-moi, comment puis-je le faire? Mais pourquoi tu as dit ça, hein? Ce qui est bon pour les dieux est bon pour tout le monde. Tu devrais être fier et prendre soin de toi comme la mère du roi. Je suis allé pour quelqu'un refuser le sucre et le miel. Ce sucre et le miel est devenu amer. Je ne vais pas créer des problèmes. Moi non, ma propre sœur. Ah non. Cela ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver parce que je ne saurais pas. C'est ma propre sœur. Je ne peux pas. Voici mon point de vue. Charles Denis ne peut pas rejeter le trône de ses palais ou il paiera les conséquences.
Où est à boire? Toi aussi tu en veux? Oui, bien sûr que oui, ma chère. La table est prête? Non, ma reine. Pourquoi? Elle sera prête pour moi l'autre, votre majesté. Et qu'est-ce que vous faisiez pendant tout ce temps? Désolée, ma reine. Ok, maintenant dégage, chez ma vie. Dehors. J'ai très faim, maman. Oui, également, j'ai très faim. Maman. Mon fils. Maman. Tu ne vas pas me croire ce que je vais te dire. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Oh. Le nouveau roi a été choisi. Alors, on verra bien ce que je vais lui faire. La question devait être qui a été choisi. Oui, mon frère. Qu'est-ce qu'on a choisi? Oui, qui? Tu ne vas pas me croire. Ton neveu, Denis. De quel Denis parlais-tu? Ça, c'est pas vrai. Ça peut pas être possible. Denis ne peut pas me faire ça. Je veux dire... Maman, je suis en train de te dire la vérité. C'est partout. Tout ce temps, nous vivons et nous vivons avec les ennemis. On a même exposé nos secrets à de mauvaises personnes. Oh mon Dieu. Vraiment, maman. Hey! Non. Denis ne peut pas faire ça, à ce que je sache. Denis ne peut pas nous faire ça. Non. Ce n'est pas possible. Alors, comme ça, Dieu. Il est devenu notre ennemi. Il veut prendre ce qui m'appartient. Non! Dis à ta sœur. C'est une très mauvaise décision qu'elle veut prendre. Elle est avertie. Elle a dépassé la lune. Je te dis la vérité. Il y aura la guerre. Ne me retiens pas. Il y aura vraiment la guerre. Je crois que vous êtes déjà avertie. Sans rire. Tu dois parler à ta sœur. Tu dois lui parler. Ceci ne peut pas traverser mes yeux, non! Tu es maintenant contente? Non, réponds-moi. Tu es maintenant contente? Alors, toi et ton fils avaient décidé de devenir mes ennemis? Et tu prétends être moi? Ah, ma sœur, comment oses-tu? Mais non, je ne sais pas qu'est-ce que tu dis. Allons-y à la maison et je vais t'expliquer tout. Allons-y à la maison. Rien à expliquer là. Tu n'es rien d'autre qu'un caméléon. Oui. Je ne peux pas être traitée de la sorte. Moi et mon fils n'avons rien planifié. Je ne sais pas de quoi tu es fait au courant de tout ce qui se passe. Oui. À partir d'aujourd'hui, tu as cessé d'être ma sœur. Juste surveille tes arrières. Agnès? Agnès, moi et mon fils, nous n'avons rien fait de mal. C'est quel genre de problème ça? Ono, s'il vous plaît, je suis ici pour vous supplier de... Non. Pardon, ne fais pas ça. Lève-toi. Je sais que j'ai mal agi. Je suis vraiment, vraiment désolé. Est-ce que je pourrais avoir grâce dans votre cœur? S'il vous plaît, Ono. Je t'ai pardonné. Je ne porte aucune rage contre toi. Alors, je veux juste savoir, comment est-ce que tu te prépares pour prendre le règne de ce trône? Oui, Ono. D'ailleurs, je suis là pour ça. Hein, écoutez, je veux juste demander. Y a-t-il une raison qui exige que je dois devenir roi de ce royaume? Ce
ce problème de royauté est beaucoup plus spirituel que physique. La royauté de notre terre est rotationnelle. Et par chance, cette fois-ci, ça revient à votre village et Sofia. Et dans votre village, votre famille, celle d'Akubike, a été choisie pour produire le prochain roi. Voilà comment nous sommes arrivés à toi. Tu vois ce que j'étais en train de te dire? Tu es celui qui est choisi. Il n'y a pas question de penser que tu as déçu quelqu'un, tu as fait quelque chose de mal. Non! Les dieux t'ont choisi. Et personne n'a le pouvoir, personne n'a le pouvoir de t'intimider. Tu n'as qu'à te calmer. Maman, je le voyais depuis là-bas. Ils sont en train de faire leur réunion secrète. Oui, regarde-les. Mon instinct avait finalement raison. Non, allez-y. Continuez votre réunion secrète. Enfant bâtard. Ouais. Agnès, ne dis plus jamais ce que tu es en train de dire. Ne le dis plus jamais. Je peux tout tolérer chez toi. Et non venir ici m'inciter, moi et mon fils, pour quelque chose qu'on ne connaît même pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Vous êtes des Barnabas. C'est ce que vous êtes. Lucie, ne parle pas à ma mère de cette manière. Et si je le fais, que vas-tu faire? Sinon, je vais te gifler. Vas-y, gifle-moi. Et puis quoi, tu ne peux rien faire. Vas-y, je parlerai à ta mère. Je vais vous insulter. Vous êtes des Barnabas. Denis, c'est ce que vous êtes. Denis, tout ce que vous allez faire, ça ne va pas tenir. Hein? Et toi, Onowu, je pensais que tu étais un homme. Maintenant, je sais voir qui tu es vraiment. Tu n'es qu'une race de vipères. Voilà ce que tu es. Hey, ne m'insultez pas. Même si je le fais, qu'est-ce que tu vas faire? Mais dis-moi, combien ils t'ont offert? Combien, dis-moi? Des millions de naira? Dis-moi ton prix, je suis prête à le payer. Je t'écoute. Écoutez. Vous avez déjà dit ça plusieurs fois. Et je vous le dirai encore. Je n'ai rien reçu auprès de quelqu'un. Et je ne suis pas prête à le faire. Je ne suis qu'en train de suivre la tradition de notre terre. Tu es un menteur. Je ne te crois pas. Penses-tu que tout le monde est comme toi? Tu penses que tout le monde se comporte comme toi? Oh, vas-y, ma sœur. Vas-y. Ce n'est pas besoin de ton opinion maintenant. Si tu en as besoin, sache que je ne suis pas là pour toi. Je ne suis pas là pour toi. Agnès, tu ne peux rien me faire. Tu ne peux rien me faire. Écoute, tu ne peux pas me parler de la sorte. Je suis ta grande sœur et je mérite du respect. Quelle est cette reine qui ne respecte pas le peuple? Tu veux faire attention. Respecte, tu es ma grande sœur. Vas-y, dis-moi. C'est la vie. Comment ça? C'est la vie. Comment dois-je être? Dis-moi. Agnès. Vous êtes des traîtres. Oh, tu veux faire attention. Tu me connais bien. Je suis ta grande sœur. Oui. Vous n'allez rien faire. Je suis ta grande sœur. Je ne mérite du respect. Faites attention. Je n'ai rien planifié. On a choisi mon fils. On a déjà choisi mon fils. Oui, et qu'est-ce qu'il y a avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez déjà échoué. On a choisi mon fils. Vous avez échoué. Ça ne va pas marcher. N'importe. Je vais essayer de leur dire que ces problèmes ne demandent pas de disputes. Ma fille, je ne sais plus quoi dire. Ta maman et ton frère Denise ont refusé. Ils ont refusé d'accepter qu'on ne les a pas trahis. Mais si ta belle vient de dire, les dieux ont choisi mon fils de devenir le futur roi. Je sais, et je fais de mon mieux. Oui, je fais de mon mieux pour leur faire comprendre que les choses ne sont pas comme ils pensent. Mais ils sont tellement très têtus, très têtus. Maman, tout ce que je demande, c'est la paix. Ah, tu me connais. Mais t'inquiète, toute chose ira bien. T'inquiète, ne t'inquiète pas. Je sais. Je suis celle qui recherche la paix. Tu me connais très bien, t'inquiète. Odoka. Je sais, maman. Mais, maman, je... J'aimerais que tu saches que je ne suis pas du tout de leur camp. Sache juste que je ne suis pas du tout contre toi, ok? Ma fille, je te connais très bien. Et je sais que tu es innocente. Manaka Djoko, dis-moi, tu es prête pour ce que tu es en train de faire? Oui, maman. Oh. On est à l'heure de la pause, alors je m'étais décidée de venir te rendre oh, c'est bon. Visite parce que je t'aime. Oh, tu m'as manqué. C'est... Si vous tous d'ailleurs, vous m'avez manqué. Tu sais, non?
temps. Non, mais chérie, vraiment. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Attention, chérie! Attention, attention, chérie, arrête-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois rien. Hein? Je ne vois rien. Que veux-tu dire? Je ne vois rien, je te dis. Est-ce que tu vois quelque chose? Tu vois mes doigts? Non. Chérie, tu peux voir ma main? Tu es devenue noire. Jésus. Je ne vois rien. Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois plus rien. Viens conduire la voiture. Doucement. Doucement. Docteur, s'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec monsieur? Après l'examen qui a été fait, je n'ai rien trouvé. Docteur, que veux-tu dire tu n'as rien trouvé? Mon mari dit qu'il ne peut pas voir. Et qu'est-ce que tu es en train... Qu'est-ce que tu essaies de dire là, dis-moi? Ce que je vais dire est que... Il n'a rien. Il va bien. Il va bien avec ses yeux. Non. Mes yeux n'ont pas l'air parfaits. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Je vous dis que je ne peux pas voir, mais vous me disiez que mes yeux ont l'air parfaits. Je vois tout noir. Je vous dis, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Hein? Docteur, s'il te plaît. Tu essayes de dire? Il n'y a rien que tu puisses faire pour aider mon mari à retrouver. Il n'y a rien que je puisse faire. Vous pouvez aller faire le test ailleurs si vous doutez de moi. Missing voice. Oh, c'est pas vrai. Oh mon Dieu. Hey. Je suis désolé.
Maman! Ah, ah. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes rentrée aussitôt. Avez-vous oublié quelque chose? Orgini! Maman! C'est ton fils? Non! Maman! Orgini! Hein? Maman! Tu dis quoi? Maman, je ne peux pas voir! Non, ce n'est pas possible! Maman, je ne vois rien! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Maman, il est arrivé comme ça depuis la journée. Il conduisait maman, on n'a pas compris directement. Il est venu avec lui. C'est bon comme ça. Je ne vois rien. Hey! Mes ennemis! Mes ennemis m'ont finalement attaqué. Mes ennemis! Elle avait dit ça! Elle avait dit quoi? Elle m'avait dit que je devais être qui? Je ne croyais pas. Qui? Mais qui? Oh! Elle a touché à mon unique fils. Maman, elle a touché à mon unique fils. Qui a dit? Oh non, viens d'abord m'aider. Maman, t'es quoi? Viens m'aider, allons-y à la maison. Allons-y d'abord là-bas. Mon fils, sois fort. Hé! Mes ennemis veulent me tuer. Attention, attention. Doucement. Hé! Qui est là? Madame? Où est-elle? Où est la reine? Non, où est-elle? Quittez devant ma présence. Où est-elle? Agnès! Agnès, viens ici! Viens ici! Agnès! Agnès! Agnès, descend ici! Agnès! Je ne quitte pas cette place sans elle. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu as essayé de faire, Agnès? Je me rappelle t'avoir dit de ne plus jamais mettre tes deux pieds dans ma parcelle. Qu'est-ce que mon fils t'a fait? Non, réponds-moi. Pourquoi tu peux lui rendre avec et pourquoi? De quoi parles-tu? Tu me demandes de quoi je parle. Regarde-toi, tu es un animal à la forme humaine. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que mon fils t'a fait? Tu sais tout ce que tu faisais. Je ne comprenais rien. C'est maintenant que j'ai compris ce que tu as fait. Pourquoi devrais-je rendre ton fils aveugle? C'était son champ. Oui, il ne devait que devenir aveugle. Alors rentre, on va chercher qui a rendu ton fils aveugle. Ne reviens plus jamais ici pour me déranger, ok? Agnès, je ne vais jamais quitter cet endroit. Jusqu'à ce que mon fils voie, je te dis. Peux-tu fermer ta bouche? Est-ce que tu peux fermer ta bouche? Et tu viens encore demander qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Elle est venue ici et elle commence à m'accuser d'avoir rendu son fils aveugle. C'est ton fils qui l'est. N'importe quoi. Garde. Faites attention. Oui, mon prince. Faites-moi sortir cette folle danseuse. Je ne suis pas ton ami et n'essaie pas de me dire ça. Ne me touchez pas. S'il vous plaît. N'essayez pas de me toucher. Je ne partirai nulle part jusqu'à ce que mon fils voie. Vous m'avez compris? Garde, je ne veux plus l'entendre parler. Dehors, ne vous madame. Inquiétez pas, je vais m'asseoir ici. Je vais me mettre ici, je vous dis. Vous allez me trouver ici jusqu'au matin. Je suis là, je ne me déplace pas. Ferme ta bouche, je vais rester ici. Jusqu'à ce que mon fils voie. Je ne me déplace pas d'ici. Jusqu'à ce que mon fils voie. N'importe quoi. Venez me déplacer. Venez me faire déplacer. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? N'importe quoi. Aveugle, comment ça? C'est pas du tout ordinaire. Dans notre famille, nous ne souffrons pas des yeux. Alors, je suis sûre que c'est l'œuvre de l'ennemi. Ah. Tu dois être forte, ma belle. Je n'en peux pas. Dis-moi, comment je suis supposée être forte? Je ne peux pas l'être. Je ne sais pas comment aller chercher des astuces. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas, je dois commencer à gauche ou à droite. Allez. Je ne sais où rester. Ça va aller. Calme-toi. C'est pas le moment de s'affaiblir. En ce moment, tu dois être forte. Surtout pour ton mari. Comment S'il te plaît. Je suis supposée être forte? Comment suis-je supposée être forte? Imagine que tu amènes ton mari à l'hôpital.
qu'il est aveugle. Et on ne trouve rien qui ne va pas avec lui. Tu ne vas pas te poser la question? N'est-ce pas que ce sont mes ennemis qui ont fait ça? Non, ce sont eux qui ont fait ça. Que veux-tu que je dise? Arrête. Tu ne comprends pas. Arrête, ça va aller. Calme-toi. Je sais que ce n'est pas la fin. Crois-tu au miracle? Parce que moi, si. Je sais que tout ira bien. Je sais que le bon Dieu ne permettra pas que nos ennemis puissent gagner. Est-ce que tu comprends? Tu dois être forte, tu ne dois pas désespérer. Fais-le pour ton mari. Non, 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 non. Le couronnement n'est plus assez loin. Et je voulais savoir si le montant dont nous étions convenus a déjà été réuni. Ono, cher ancien, le problème de l'argent, ce n'est pas ce que nous devons discuter en ce moment. Ce dont nous devons parler maintenant, c'est la condition du roi qu'on a choisi. Il est aveugle. Il ne peut plus voir. Tiens, Ike. Tu as raison. Je demande maintenant. Avons-nous déjà eu un homme aveugle comme notre roi depuis que nous sommes nés dans notre communauté, dans notre royaume d'Amoku? Avons-nous? C'est ça. Ichako. Ono, comment peux-tu poser une telle question? Denis a déjà été choisi comme notre roi. Aveugle ou pas? Abomination. Abomination. Ono. Ono, c'est pas possible. Comment on peut permettre cela? Hey! Ono. Ono. Comment on peut avoir un aveugle comme notre roi? Quelqu'un qui ne voit même pas. Comment il peut diriger tout en étant aveugle? Mmh. Oh non! Hey! Ça là. Bien. Mes anciens, Denis n'a pas été choisi par vous ni moi. Il a été choisi par les dieux. Et nous n'avons pas les pouvoirs d'aller contre leur volonté. Il est déjà même passé au Imobi. Comme la tradition le demande. Tout ce dont nous devons parler, c'est de lui donner cet argent dont nous nous sommes mis d'accord, afin qu'il soit admis à des soins médicaux. S'il vous plaît. Alors, je demande un peu. Ah. Comment un aveugle peut nous diriger? Comment un aveugle peut être notre roi? Comment verra-t-il les problèmes de notre terre? Parler pour en trouver la solution. C'est ça le 20 milliards de naira des questions. Tu as raison. Je l'avais dit. Tu as raison. Bien, mes anciens. Ce n'est pas le problème le plus important ici. Ce n'est pas le sujet de notre discussion. Denis a été choisi et a été présenté au Imobi. Tout ce que nous devons faire, c'est de lui donner cet argent. Écoutez, je ne veux plus dire quelque chose à propos de tout ça. S'il vous plaît. Oh non, où? Où est cet aveugle? Où est ce fou? Où est cet idiot d'aveugle? Tu n'as encore rien vu. Tu verras. Ogo, c'est quoi le problème? Hein? J'ai entendu ta voix et je me suis dit que tu es peut-être venu pour qu'une raison. Qu'est-ce qu'il y a? Discuter pourquoi? Que la foudre s'abatte sur ta bouche. Discuter avec qui? Hein? Un grand serpent qui s'est camouflé. Un caméléon. Écoute,
Écoute et écoute-moi très bien. Je suis venu t'avertir. Je ne vais pas te voir, toi et quelqu'un de ta famille, dans mon palais. Si tu oses, hein? Si tu oses, vous allez tous perdre vos vies. Essaye. Défie-moi. Ugo. Ugo, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles comme ça à ton cousin? Hé, ferme ta bouche. As-tu oublié comment tu lui mettais la pression? Quel genre de stupidité? Je ne vais pas écouter cet aveugle devant moi. Infidèle. Hé, hey, qu'est-ce qui ne va pas ici? Tu peux pas parler à ma femme de cette manière. Hein? Tu peux pas parler à ma femme comme Arrête-moi ça. Arrête-moi ça n'importe quoi. Ne me dis pas n'importe quoi. Tu peux pas parler à ma femme comme ça. Celle que tu appelles femme, celle-là. Si tu veux qu'on cause, viens me voir et on va causer. Ugo. C'est bon. Si tu veux qu'on parle, viens t'asseoir et on va causer. Ma fille, okay. Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi. Maman, pourquoi est venu ici pour insulter mon mari? Il est venu pour nous dire que ne plus jamais aller au palais. Écoutez-moi très bien. Si tu me défies. Mon ami, ferme ta bouche. Allez, ferme. Que penses-tu être? Hein? Oh! Je sais quel est ton problème. Jaloux. Tu es jaloux parce qu'il dit on choisit mon fils au lieu de toi. Qu'est-ce que tu dis? Jaloux de qui? Et n'assume pas des jalousies de qui? C'est fou, aveugle. Être jaloux, c'est fou. Je ne veux pas être jaloux de celui-ci. Cet homme aveugle sera votre roi. C'est pourquoi vous avez commencé avec Jack. Mais toi, regarde-toi, tu n'as rien. Ta maman, la reine, et toute votre famille, vous n'avez rien à faire avec. Toi, tu vas te mettre à genoux devant cet homme. D'ailleurs, je n'ai même pas le temps. Je suis venu pour avertir ces bâtards. Si je vous vois seulement dans ma parcelle, vous saurez qui je suis. Jaloux. Vous jaloux. Saurez qui je suis. Tu es jaloux de mon fils. Jaloux. Et tu vas mourir. Jaloux. Non, laisse-moi. Tu vois ces gens, la famille royale, ils nous ont causé du tort. On est des gars là-bas. Je ne vais pas discuter avec toi. Moi, je vais discuter avec toi. Regarde-moi ça. N'importe quoi. Non. Ils seront corrigés un jour. Ils seront vraiment corrigés. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tout va bien. Pourquoi les gens sont tellement méchants pour notre famille? J'insiste toujours que Denis soit couronné roi malgré sa condition. Mais comment ça? Est-il le seul aveugle sur terre? Ah! Comment est-ce que les gens peuvent être si méchants? Comment est-ce que les gens peuvent être aussi inhumains? Hein? Papa, ne me dis quand même pas que tu es resté calme et tu les as laissé raconter toutes ces bêtises. Tu sais ce que je vais faire? Je t'ai fait confiance. Je vais leur donner une bataille de leur vie. Je les connais, papa. C'est exactement ce qu'ils méritent. Hein? La royauté est venue dans notre famille. Ils veulent la ravir juste comme ça. C'est quoi cette méchanceté, mon Dieu? Mais pourquoi ces gens sont comme ça? Pourquoi sont-ils comme ça? Ils doivent d'abord passer sous mon corps. Plutôt qu'ils réaliseront que la royauté ne peut pas quitter notre famille, mieux sera pour eux. C'est de la pure méchanceté. Hein? Papa, t'inquiète pas, laisse-moi t'apporter une chaise. Ces gens sont méchants. Ils sont vraiment cruels. Sachez-les. Plus tard, je prendrai ce qui me revient des droits. Maman, je sais comment suivre les gens comme Denis. Ok? J'ai tellement réfléchi pour être mon idée en œuvre. Si nous nous lançons à la bagarre,
C'est tellement évident que nous allons échouer et perdre le royaume. Ça, c'est ce que nous ne voulons pas. Donc, nous devons utiliser nos cerveaux, n'est-ce pas? Pour avoir ce que nous voulons. Tu as raison, mon fils. Tu es vraiment le fils de ton père. Tu les ressembles à tout. Grand frère, pourquoi cette guerre juste à cause du trône? Les gens peuvent penser que la couronne n'est pas pour toi ni pour le frère Denis. Peux-tu la fermer? Qu'est-ce que tu sais? Sais-tu le privilège dont tu bénéficies juste à cause de ton statut royal? Voyager à un endroit de son choix, tous les vacances. Oh, tu penses que tu vas continuer à bénéficier de ça comme ça? Sois raisonnable. Maman ne la suit pas. Tout ce qu'elle sait, c'est ouvrir sa bouche comme je ne sais quoi. Écoute, tu es plus proche de moi. Tu es plus près de moi. Ne me provoque pas. N'ose pas! Avant que je ne te gifle. Regardez-la. Laisse-la comme ça. Nous connaissons très bien qu'elle est fan de Denis. Et nous saurons qui est loyal au mensonge. Grand frère, ce n'est pas seulement pour la loyauté. Nous sommes tous une famille. Tais-toi! Peux-tu fermer ta bouche? Stupide fille. Ne t'approche pas de moi. Faut plus jamais me contrarier. Qu'est-ce que tu vas faire pour toi? N'essaye plus d'utiliser ta bouche. Idiot. Bon, comme tu disais avant que je sois interrompu. Votre Majesté, nous sommes venus vous rendre une visite de solidarité. Et pour vous prouver notre loyauté continuelle envers vous. Jusqu'à ce jour, nous continuons à vous apprécier pour avoir accepté de prendre cette place comme le roi d'Amoukou. Ah. Oh non. Je vous remercie vraiment. Je suis très très touché d'écouter vos voix à présent. Je suis content d'écouter vos voix et votre présence. Hein? Cela vient de nous rassurer que tout va bien. Oui. Dans notre Amoukou. Hein? Amoukou Kwen. Yeah. Oui. Amoukou Kwen Zouen. Hey. Votre Majesté, la raison principale de notre venue, c'est pour vous remettre une somme d'argent de 200 000 naira. Voici l'argent. Juste pour tes soins médicaux. Maman, tu peux prendre ça? La partie restante de cet argent sera très bientôt payée sur ton compte. Lorsque les choses iront mieux. Amoukou Kwen. Ya. Wezon. Oh. Je suis très content pour tout ceci. Avant vraiment qu'il soit couronné et vous avez fait ce geste, nous sommes contents. Merci. Merci. Chaque personne qui a contribué à cet avancement soit bénie physiquement et matériellement. Que Dieu vous bénisse. Uche. Uche. Oh non. Je veux juste vous dire merci. Je ne sais comment vous remercier. Je dirais ce que vous faites est normal. Mais j'ai une question. Quand est-ce que le couronnement aura lieu? Parce que je ne veux pas être brusque. Je dois me préparer. Vous savez, je veux que toutes les choses soient en ordre. Je veux organiser tout. On a gawele wele. Je veux organiser. Actuellement? Oui. Tout a été retardé. Et c'est là à cause de son état de santé. Nous sommes en train de nous concerter. Et nous pouvons vous rassurer de notre implication.
Ne vous inquiétez pas. Notre femme, nous t'avons invité pour résoudre le problème de ces royautés, pour barrer la route au conflit. Vous deux, vous êtes sœurs. Vous ne devez pas vous entrer tuer à cause de ces trônes. Ma reine, s'il vous plaît, conseille votre fils qu'il accepte la défaite. Parce que les dieux ont déjà fait leur choix. C'est irremplaçable. Pardon. Ça n'a pas de sens. De quoi est-ce que vous parlez? Alors, c'est pour ça que vous m'avez invité ici. Je pensais que vous avez repris conscience pour conseiller au fils de ma sœur de se retirer et laisser mon fils prendre ce qui lui appartient. Je ne savais pas que vous m'avez invité pour écouter tout ça. Ma reine, ce n'est pas nous qui avons fait ce choix, plutôt les dieux. Alors, laissez le dieu me parler. Hein? Ma famille et moi ferons pas partir de cette conspiration avec cette femme. Ah, comment c'est la question de comment elle est arrivée jusqu'à ce niveau? Arrête un peu de parler. Cette femme. Écoute, si je peux te conseiller, tu ne dois pas beaucoup te déranger. Parce que tu le veuilles ou pas, mon fils sera le prochain roi. Alors il n'y a rien que tu peux faire ou une autre personne pour annuler. Oui. Les dieux l'ont choisi. C'est justement ça. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec ces hommes de basse classe et tes idiots? Et pour toi, tout ce que tu cherches va retomber sur toi, bêtise. Regarde-moi ça, tu ne peux rien me faire, tu ne feras rien. Non, je suis désolée, je suis vraiment désolée. J'ai pensé qu'on en avait déjà parlé. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Si ça ne te dérange pas, je vais être seule. Ah. Ok, bien. Je t'ai apporté ce dossier pour que tu signes. Tu sais que ça fait 3 semaines que tu ne vas pas travailler. Et les travailleurs attendent leur salaire. Si tu ne signes pas ce dossier, il n'y a pas moyen de les payer. Mets ça sur le bureau, je signerai lorsque je serai prêt. Tu me demandes de remettre cette farde au bureau? Ça fait 3 semaines que les travailleurs n'ont pas leur salaire. La chose qui ne s'est jamais faite dans notre compagnie. Qu'un travailleur soit payé en retard. Bien, ma soeur. L'histoire commence un jour. Comme je l'ai dit avant, je ne suis pas d'humeur pour signer ça. Mets-le dans mon bureau. Mon trône est plus important que ça. Tu me demandes de ramener cette farde au bureau? Non, je ne suis pas en train de te demander. Je te dis de remettre ça dans mon bureau.
Je suis toujours confiant pour le choix que vous avez fait. Je ne vois pas la phrase pour la bonne compréhension. Je veux savoir, quand est-ce que j'aurai droit au trône de mon père? C'est lui que vous avez choisi. Et t'aveugle est mauvais. Prince Ugochukwu, nous avons parlé de tout ça depuis très longtemps. Et je ne ferai que répéter ma réponse. Tu ne seras pas couronné roi d'Amoukou. Parce que Denis a déjà été présenté devant le Imobi. Oh non! Vous avez commis une grave erreur. Pourquoi tu es toujours en train de dire des choses impossibles? Nous savons tous que dans l'histoire de notre royaume, qu'un homme aveugle devenir roi, ce n'est pas possible. Écoute, je connais bien ces jeux. Je connais bien comment les jeux marchent entre vous. Ce qui vous préoccupe de faire le choix. Prince Ugochukwu, je suis innocent de toutes ces allégations. Oh, arrête! Tu n'es pas en train de parler à un enfant. Et je dois te dire sincèrement que le trône d'Amoukou est rotationnel et personne ne peut le changer. Écoute-moi très bien. Je ne peux pas m'asseoir encore tant que vous êtes en train de jouer avec ce qui m'appartient. Tout ce que je peux dire. On se reverra très bientôt. Retiens cela. Should be living together, understanding each other. Sharp knife to scatter. Gun ready to fire, blood against blood, blood against blood, flesh against flesh, flesh against flesh, bone against bone. Hey ya, hey ya, kedumbo ye jedebe. Tu es la bienvenue, ma fille. Merci, maman. C'est pourquoi j'étais en train de parler de toi. Je ne sais pas, ma fille. Je ne sais pas si tu peux comprendre la bonne personne que tu es. Mm-hmm. Tu sais, si tout le monde dans ta maison était comme toi. Hey, en tout cas, je ne sais pas. De toute façon, j'allais être en paix. Maman, tu me flattes. Non. Elle ne ment pas. Hey, maman saisit toujours une opportunité pour te louer. À chaque fois. Tu as écouté ça. Ah. Heureusement, j'ai un témoin. Ah, je ne peux pas mentir. Oui, tu as un témoin. Oui, maman. Oh. Maman. Oui. Comment va grand frère Denis? Ça fait très longtemps que je l'ai vu. Je me sens très coupable du fait que je n'ai pas eu le temps de. Mais il est là. Ma fille, va appeler ton mari. Dis-lui. Dis-lui que sa cousine a besoin de le voir. Ok. Tu m'as beaucoup manqué. Est-ce que ton frère t'a dit qu'il était ici? Il criait sur nous. Et je l'ai chassé. Oh. J'ai confiance en toi. Crois-moi, je l'ai chassé. C'est du chaud. C'est ça vraiment. Toi, cette fois, il va changer. Ça lui apprendra. Je crois qu'il va dire. Ça doit l'enseigner. Tu vois, regarde-moi un peu.
Lise. Lise, comment vas-tu? Désolée du fait que je ne t'ai jamais rendu visite. C'est à cause de différentes circonstances. Mon frère. C'est d'accord, Lizzie. C'est d'accord. Allez, c'est bon. Ce n'est rien. C'est bon, ça va aller. Lizzie, laisse-moi toucher ton visage. Ah, ah, tu es très belle. Hey. Lentement, viens te mettre. Viens t'asseoir, mon fils. Aide-le, aide-le. Viens t'asseoir. Ma fille, tu es contente maintenant. Viens t'asseoir, hein. Même, allons-y préparer pour eux, ce qu'ils peuvent manger. Lizzie. T'inquiète, tout va très bien ce fois-ci. C'est tellement bon. Vous savez, je me rappelle de cette fille quand elle était toute petite. Elle chantait souvent. Oh, da la mouda. Elle est quoi, nda? Maman, pardon. Maman! Maman! Oh, oh, maman! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui maman, ne va papa. Pas? Dis-moi! Tu es quoi, Okili? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont en train de qui a fait ça? Hein? Qui l'a attaché? C'est toi à la maison et directement un homme est venu le prendre. Où est-il maintenant? Au carrefour du viens village. C'est là-bas qu'il s'est trouvé. Viens me conduire à cet endroit. Devons-nous oui, partir? Allons-y. Attends. Marche lentement, oui. Lentement. Allons-y. Doucement, oui, doucement. Doucement. Maman, moi je pars. Ngoao, fais vite. Faites vite. Courage. Sois fort. Oh mon Dieu. Sois fort, mon fils. Maman. Ma fille, s'il te plaît, fais vite, ma fille. Viens. Oh, oui, allons-y. Mais toi aussi, patiente, qu'est-ce qu'il y a, papa? Maman, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a avec toi, hein? Toi, tu ne sais pas comment patienter. Tu ne vois pas les cas que nous avons. Chica, faut partir. On arrive, on connaît là-bas. Mais nous sommes en train de venir, non? Chérie, s'il te plaît, doucement. Marche doucement. Maman, doucement. Mon fils! Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait doucement. Tu m'es tué encore, mon mari. Doucement. Tu vas bien? Debout. Hein? Je te l'avais dit. Oui. Vas-y doucement. Oui. Hein? Mon fils, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Allons-y. Hein? Ça va? D'accord, allons-y. Doucement, mon fils. Marche doucement. Hé! Hey! Mon fils! Prince Ugo ne sera jamais le roi d'Anoku. Oui. Jamais. Nous verrons bien. Seulement celui qui est élu. Qui sera le prochain roi. Mais personne d'autre. Personne d'autre. Tu te trompes. J'ai dit détrompe-toi. Écoute, va dire à ton Dibia. Que ça ne réussira pas. Ça ne réussira pas. Ouvre bien tes oreilles, écoute. Tu es en train de chercher les troubles là et ça ne va pas marcher. Quel autre problème que moi je ne sais pas? Kourizi, Foraz, il nous a kidnappés. Hein? Alors, nous verrons celui qui sera fatigué. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ok. Amokuka, tchanou. Kouenou. Kouenou. Essayez de vous calmer, pardon. Ce n'est pas important de crier et de discuter comme ça. Écoutez, laissez-moi tous vous dire quelque chose de très important. Les dieux sont sages. Denis pourrait être aveugle. Mais n'oublions pas que c'est lui qui a été choisi pour être le roi de notre royaume. Mais la volonté du peuple doit l'emporter. Il doit l'emporter. Mais ce n'est que ta propre volonté. Ne permets pas, s'il te plaît, d'être la cause de la confusion dans ce royaume. Nous devons tous marcher ensemble, comme un seul homme, unis
nous sommes plus forts et divisés. Nous sommes faibles. Bam! Maintenant, Ichike, qui dis-tu? Je te demande parce que tu as toujours été un des grands sages dans notre royaume d'Amoku. C'est le moment de parler. D'accord. Il n'y a pas de problème. Couronnons donc celui qui était choisi. Amoku, Kwenu. Ya. Kwenu. Ya. Kwezon. Oh. Ichike. Pourquoi tu as changé brusquement ton avis? Ichike. De la manière contraire de leur famille. Je sais que si on est ensemble, hein, voilà. Ils ne vont pas nous gagner. Ils ne vont pas gagner. C'est bon. C'est maintenant que tu comprends. Maintenant que nous sommes mis d'accord, je pense que nous avons fini avec cette discussion. Amoukou Kenemounou. Ya. Et Kenemounou. Ya. Et Kenemounou. Ya. Les voilà. Notre chère reine. Comment allez-vous? Nous allons bien, monsieur. Votre majesté. Votre majesté. Comment va toute la famille? J'espère que vous allez bien. Nous allons bien. Bien. Suite à ça, tu peux prendre quelque chose pour nous, pour que nous vivons. Ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas surtout. Merci beaucoup. Suite à ça, tu peux nous laisser juste un moment, tu peux? Pas de problème. Ok. Y a pas de problème. Les anciens, je vous ok, sans problème. Votre Majesté. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous ne l'avons pas encore vue. Je pense qu'elle va bien. Oui, elle va bien. Effectivement, elle est au marché. Ok. Ok. Votre Majesté, en premier, accepte nos excuses pour avoir pris assez de temps avant de te revenir, comme promis. C'est assez important que nous ayons un commun accord avant de venir. Nous sommes venus aujourd'hui pour officiellement remettre ces chèques de 30 millions de naira pour l'apurement de cette somme concernant les préparatifs. Aussi les couronnements. Du couronnement. Oh non. Voici la somme. Mais c'est quelle surprise. Chérie. Bébé, viens. Viens voir. Ils nous ont rapporté la somme de... 30 millions de naira. Hein? Combien de millions? 13 millions. Non, mais je crois pas. Oh, oh non, merci va. Beaucoup. Ça va. Mais ils sont sérieux. Chérie, nous avons encore des millions. Je ne sais comment vous remercier. Merci, merci beaucoup. Merci, ma fille. Oh, mon oh, Dieu. Je ne croyais pas que ça allait aussi devenir si sérieux. Écoutez, votre majesté. Hein? Ordinairement, si c'était un autre jeune, il pouvait refuser. Mais nous sommes vraiment heureux que vous ayez accepté ce que nous avons fait. On vous remercie. Merci beaucoup. Oh, vraiment, mon Dieu. Je ne croyais pas que vous étiez aussi sérieux. Et 13 millions. Oh, sincèrement, c'est beaucoup je d'argent. Merci. Oh non, merci beaucoup. Merci. Nous avons merci. Apprécié. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup, merci. Votre Majesté. Fais ça bien, moi je ne vais pas apprendre. Maman, tu ne vas pas faire. Umbao. Ezagoum Nanou. Donne ça à mon fils. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? On ne veut plus se reposer ou quoi? Nous n'avons plus la paix. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Donne-moi une raison de ne pas appuyer sur la gâchette. Toi, bâtard. Parce que
Tu es un enfant très gâté. Donc j'ai refusé de suivre ton abominable chemin. C'est la tradition. Ne dis pas ça à toi, bâtard. Hein? Tu m'as trahi. Hein? Mais pourquoi tu dis ça? Laisse-moi te dire la vérité. Je préfère te dire la vérité. Je ne laisserai pas ces trônes. Je te dis franchement, peu importe ce que tu veux faire, fais-le. Dis-moi, appuie sur la détente. Ah! La prochaine fois que je viendrai ici, je te jure, je te tuerai. Reste loin de mon trône. Maman! Tu vas bien? Dis-moi. Hugo! Allez, allez, laisse-le. En Ago! S'il te plaît, rentre-le, laisse! Mon fils, calme-toi! Hugo! Mon fils! Hein? Calme-toi! Hugo! Allez, qu'est-ce qu'il y a? Hugo! Quelqu'un devrait sérieusement rester loin de ma famille. Je suis en train de le dire. Qu'il reste loin de ma famille, je n'ai pas de problème. Il faut te calmer. Prince Hugo, il n'a plus de force. Il a déjà perdu la bataille. Il ne va pas te tuer. Si il ose, tous ses royaumes vont tomber. Je vais personnellement participer à sa chute. Mon oncle, nom de Dieu, il m'a pointé l'arme. Si ce n'est pas à cause de mes yeux, mais je serai mort avec lui. Hugo! Ne t'inquiète pas, Denis. Tous les villages et les anciens savent que le royaume ne peut pas aller dans une autre famille. Il a intérêt. Il a intérêt, oh. Je le dis, vous devez le prévenir. Parce que s'il essaie encore, je vais marcher tout nu en citant son nom. Ah. Tout le monde saura ce qui se passe. Je ne blague pas, je vous dis, prévenez-le. On n'est pas obligé d'en arriver là. Hein? On n'est pas obligé d'en arriver là. Essaye même pas. Calme-toi, moi-même je vais m'en charger. Je suis maintenant prête. Je suis prête maintenant, je pars au palais pour les interdire de ne plus mettre leurs pieds ici. Vous ne voyez pas ça? Ça c'est vraiment la méchanceté. Je ne peux pas laisser tomber. Maman, où vas-tu avec cette machette? Je pars me battre. Si cette femme et son stupide fils pensent qu'ils ont fait quelque chose, ils n'ont rien fait. Je vais aller me battre avec eux. Hein? Aujourd'hui, je dois me battre avec eux. Comment peut avoir l'audace de venir ici pour nous intimider? Qui est-il? Ils vont me sentir. Maria! Maman, s'il te plaît, maman. Henri, s'il te plaît, maman. Maman, reviens. Au palais, bien sûr. Hein? Est-ce que tu t'entends parler? Si c'est le mât, tu partirais. Comment est-ce que tu laisseras les enfants? Ne fais pas ça. Il n'a même pas le temps de négocier ou de discuter, quoi que ce soit. Tout ce que le veut, c'est pointer une arme et PAM! Tu meurs. Et tu vas aller rejoindre les ancêtres sans la volonté de Dieu. Et dis-moi maintenant, quelle sera la suite après tout ça? Naï, tu n'as rien vu. As-tu su comment il était venu? Tu n'as rien vu. Il est venu avec l'arme. Maman, ça ce n'est pas le film. Allez, maman, chinois. Arrête ça. Maria, entre dans la maison et dépose cette machette. S'il te plaît, arrête maman, ça. S'il te plaît, maman. Hey, allez, maman. Donne-moi ça d'abord. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi, c'est grâce à Stella. Bon, maman, sinon, ce que j'allais faire, en tout cas, je ne sais pas ces peuples. Attendez, vous n'avez rien dit. La prochaine fois-ci, viens encore dans ma parcelle pour m'intimider. Ce que je vais le faire, hein. Écoutez, je sais que j'avais pris fuite lorsqu'il était là. Vous savez, quand j'avais vu l'arme, j'ai tremblé, j'avais des frissons. Parce que j'avais fait, je n'avais pas encore mangé. Mais maintenant que j'ai déjà mangé, maintenant que j'ai mangé. Maman, laissez-moi. Mais vous ne voyez pas ça. Je lui dirai. Vous ne voyez pas ça. Je vais délivrer ton message. Hey, Hugo, Chiazoye. Apaise-toi, s'il te plaît. Chiazoye, Gogon.
Guinanei. Ça va, maman. Allez, viens t'asseoir. Agou. Agou. Akwa Zinamaka. Oh. Ne. Agou. Calme-toi, mon fils. Calme-toi. Je ne vais pas te stresser. Maman n'est pas un bébé, c'est moi ton bébé. Quoi? Mon fils, tu es le seul que j'ai. C'est toi mon bébé. Tu es le seul que j'ai, mon bébé. Calme-toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Laisse-moi tranquille, Hugo. Je croyais que tu allais au moins comprendre que je te quitte pour toujours. Bébé, s'il te plaît, ça c'est pas une bonne manière. Hein? S'il te plaît, bébé. Hugo, tu m'as offensé mille une fois. Tu ne peux pas continuer à vivre avec un homme qui ne sait pas contrôler ses émotions. Bébé, je ne saurais plus rester dans cette maison. Je dois m'en aller. Je ne veux plus rester. Bébé, dégage de mon chemin. Je te promets, bébé. Je te promets que je veux changer. Hein? Je sais que je ne suis pas bien comporté avec toi, bébé. Mais je vais changer. Je changerai. Je te promets. Je te promets de me concentrer sur toi, bébé. Hein? Je te promets de ne plus te faire mal. Hein? Hein? Et tu sais que je me bats pour une raison. Ok, très bien, très bien. Je te promets de ne plus jamais faire une chose qui va te créer des amis. S'il te plaît, mon amour, je te promets. S'il te plaît, tu sais que tu es tout ce que je... Tu es celle avec qui je vais vivre. Je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu me pardonnes. S'il te plaît. Est-ce une promesse ou quoi? C'est une promesse. Regarde-moi. C'est une promesse. Es-tu sûr? Oui. Ok, je te pardonne. Grande sœur, pourquoi est-ce que tu pleures? Est-ce que tout va bien? Grande sœur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Andy, Andy. Andy? Quelque chose lui est arrivé? Andy a brisé notre engagement. Bon, attends d'abord. Sois calme, s'il te plaît. Je t'en prie. Ok? Calme-toi d'abord. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi peut-il faire ça juste comme ça? Hein? Il a dit que je ne suis plus la femme de sa vie. Ok. C'est ça, tu vois, maintenant moi j'ai mal. Je ne saurais pas être loin de lui. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Pourquoi? Ok, calme-toi d'abord. Calme-toi. Écoute, sois calme, je t'en prie. Calme-toi. Ça ira. Maîtrise-toi, s'il te plaît. Hein? Tout ira très bien. Calme-toi, ça va aller. J'ai très mal. J'ai très mal. Oui, ça va aller. Ça va. Ça va. Forever.
Est-ce que je peux causer avec toi? Arrêtez cette guerre. Arrête avant que les choses ne deviennent pires. S'il te plaît, enterrons l'âge des guerres, mon chéri. Oui, ce n'est plus nécessaire parce que j'ai déjà décidé de quoi faire et comment suivre ces gens. Je pensais aller aux États-Unis. Oui. Lorsque vous serez là-bas, je vais rentrer avec l'idée de comment je peux faire. Pour tout, c'est sûr. C'est ce que je dis. C'est ça ma décision. Je dois voyager. Il faut que je voyage. Maman, il veut repartir aux États-Unis. Tu n'iras nulle part. Oui, tu m'as entendu. Tu n'iras nulle part. Ça, c'est la terre de ton père. Et je t'interdis de partir. Maman, tu ne comprends pas. Je dis, tu n'iras nulle part. Tu dois bien le mettre dans ta stupide tête. N'importe quoi. Bébé, s'il te plaît, je ne veux pas que tu repartes. Je veux que tu restes avec moi. Elle n'a toujours pas compris. J'ai dit que je vais partir et puis je vais revenir. S'il te plaît, je ne veux pas que tu me laisses. Reste avec moi. S'il te plaît. Tu es le bienvenu. Merci. Au nom où je suis venu pour qu'on ait une conversation de cœur à cœur comme les hommes. Je suis désolé. Comme tu peux le voir, je vais pour une réunion importante. Au nom où je ne prendrai pas beaucoup de ton temps, nous devons s'asseoir pour en parler. Comme je viens de le dire, je ne veux pas être en retard. Je dois participer à une réunion très très importante. Ok, très bien. Alors la discussion va s'arrêter par là. Ou bien je vais aller tout droit au but. Tu sais, je vais te remercier et d'avoir servi mon père d'une manière loyale, ok? Ok? Comme digne d'un nono, tu vois. Je t'apprécie beaucoup. J'aime la façon dont tu fais les choses. De t'avoir donné pour le bien de notre communauté. Bien sûr que ce sont des bonnes choses. Je vais t'offrir 5 millions de Naira. Je sais que c'est rien du tout, mais ça va quand même t'aider. Je sais. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est tellement gentil. Est-ce pourquoi tu es venu? Ok, oui. C'est pour cela que je suis ici. Merci beaucoup. Avec tout le respect, s'il te plaît, va-t'en. Oh non. Peux-tu juste arrêter la stupidité et profiter de l'occasion? Je suis juste là pour te remercier. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, 5 millions, c'est peu, n'est-ce pas? Je vais ajouter 5 millions encore pour que ça fasse 10 millions de Naira. C'est ça le deal. Un très bon deal, n'est-ce pas? Hein? 10 millions de Naira pour toi. Prince Hugo, s'il te plaît,
Sors de ma parcelle, maintenant même. Je n'ai pas besoin de ton argent. Oh non, réfléchis bien à ce que tu dis. Comment peux-tu rejeter 10 millions de naira? Partir juste comme ça? Hein? Tu veux vraiment que ça parte 10 millions de naira pour toi? Ok. Prince Hugo, je ne suis pas affamé, comme les autres anciens que tu as corrompus. Je n'ai pas besoin de ton argent. S'il te plaît, je ne veux plus me répéter. Sors maintenant de cette parcelle. Onowu, es-tu sûr que tu n'es pas en colère? Réfléchis bien à cela, tu vois. 10 millions de naira, c'est une bonne affaire. Hein? 10 millions de naira. Prince Hugo, je pense que j'ai fini avec toi. Et comme je t'ai dit, je suis en retard. Oh non, tu vas bien le regretter. Je ne fais pas des promesses en vain. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je ne veux plus te voir ici. Allez avec votre sale argent. Toi et ta mère. Chérie, c'est tellement joli. Chérie, la maison est tellement jolie. On est là. Oh mon Dieu. Chérie, je t'ai dit que c'est merveilleux. Tu devrais voir cet endroit. Waouh! Oh mon Dieu. Non, mais je n'en reviens pas. Oh, chérie, je t'ai dit la vérité. La maison est tellement jolie. Quelle odeur! Chérie, c'est les pelouses. C'est les pelouses. Fais attention. Ah, tout est parfait. Tu vas pas y croire. Non, mais c'est merveilleux. Ah, enfin. Merci beaucoup, chérie. Ah, chérie. Ah, ma chérie. Ah, enfin. Je suis traité comme un roi. Hey. Hey! Plus personne ne va commencer à m'interdire à venir rendre visite à mon oncle. Hey, je suis aux anges, je suis très contente. Personne ne va se comparer à moi. Hey, c'est beau. Tu vas pas y croire, chérie. Chérie, fallait voir. Cette maison est très grande. Exactement. Je pense que tu aurais aussi porté ton choix sur ça. Chérie, c'est la plus belle maison de ces villageois. Je peux sentir la fraîcheur de la peinture. Je suis impatiente. Oh mon Dieu. Je suis impatiente de m'installer dans cette maison. Pouvons-nous aller à l'intérieur? Là, comme ça, je peux sentir les équipements. Tantine? Oui, pourrais sentir les... Alors, comme ça, tu as vu la porte d'entrée. Oui, parfaitement.
Vous savez que j'ai un devoir de raconter à maman tout ce que je verrai dans cette maison. Donc ministère d'information, chérie, doucement. Viens d'abord tenir ton nom que je vais ouvrir la porte. Tu ne peux pas venir. En tout cas, toi. Et puis, tu ne vas pas rester dans cette maison. C'est moi qui te l'ai dit. Laisse-moi sentir l'intérieur. Non, mais chérie, l'intérieur encore. C'est tellement bien. C'est notre maison. Allez, entre. Laisse-moi, chérie. Je ne crois pas. C'est tellement bien. Que je sois louée. Tout est bien ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Je dis... Vas-y, tue-moi. Et comme tu peux le voir, ça ne va rien faire comme différence à la guerre que tu as. Vas-y, appuie sur la gâchette. Appuie sur la gâchette. Au nom où tu es le bienvenu. Non. Merci, Ononobi. Ononobi, je suis venu pour te déverser toutes mes inquiétudes. Ça fait 2 semaines depuis que nous avons pu faire la cérémonie d'intronisation. Ce qui signifie que nous avons automatiquement un nouveau roi. Mais quelque chose continue à m'inquiéter. Jamais dans l'histoire de notre terre, nous avons pu entendre qu'un roi aveugle dirige ce royaume d'Amoku. Et je suis venu pour découvrir. S'il vous plaît, aidez-moi à demander Okunoku. Sommes-nous toujours sur la bonne voie? Okunoku, Okunoku. Kasi keme kaneme, kasi eme na arapia. Okwa kudochi. Ono, bienvenue encore une fois. Merci. Opunoku a dit ceci. Le cas de celui qui a été choisi, c'est celui le plus fort. Le cas de son aveuglement ne m'a pas été révélé. Pas du tout révélé. Il fait nous faire comprendre que nous sommes nous sommes dans une bonne direction. Nous sommes dans la bonne direction. Rien ne va arrêter celui qui a été choisi d'être couronné le roi. Ononobi, êtes-vous en train d'essayer de me dire qu'il n'y a rien qui puisse faire pour le tirer de ses problèmes? Ononobi. La pensée des hommes n'est pas la même que la pensée des dieux. Rien. Oh non, rien du tout. Mais il y a une possibilité sévère qu'il peut revoir. Oui. Alors je te conseillerais d'aller à la maison. Au moment opportun, celui qui a été choisi retrouvera la vue. C'est tout ce que moi je sais. Donc, vous voulez dire que nous devons continuer le couronner roi?
S'il vous plaît, comme vous le savez, c'est depuis un moment que le roi est mort. Et que le pouvoir vient de Dieu. Nous avons attendu, et nous voilà aujourd'hui. Nous sommes ici aujourd'hui pour accomplir la décision des dieux. Quoi encore? Qui les obéir? Denis Akubike. Oh non. Vous n'avez pas été choisi par les hommes, plutôt par les dieux, pour être celui qui va diriger ce royaume dans la paix. C'est ça, oui. Nous ne pouvons plus ramener ce qui est ici à demain. Non, non. Comme vous le savez, nous avons des pratiques que la tradition demande pour être couronné roi. Voici ces colliers qui représentent ici l'unité. Voici les bracelets qui représentent la force du royaume d'Amoku. Mettez-les. Maintenant, à ce niveau, vous allez choisir un titre pour vous-même et pour le royaume d'Amoku. Je suis vraiment disposé pour le royaume. Mes très chers anciens, il a choisi le titre de Chimereze 1 du royaume d'Amoku, avec tout le pouvoir qui m'est conféré. Comme le Honou et le faiseur de roi du royaume d'Amoku, je viens présentement vous couronner le Chimereze 1 du royaume d'Amoku. Maintenant, voici les sceptres de l'autorité de notre royaume. À partir d'aujourd'hui, vous tenez l'autorité et le pouvoir du royaume d'Amoku. Prenez. Igwe! Igwe! Timérèse premier du royaume d'Amoku. Attendez, vous allez vous lever. Tcha 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 tcha! Amoku Kwenu! Yeah. Amoku Kwenu! Ya! Yeah. Kwenu! Ya! Yeah. Et vous pouvez maintenant vous mettre sur votre trône. Igwe. Igwe Chimereze. Chimereze 1 du royaume d'Amoku. Igwe. Chimereze premier. Igwe. Félicitations Igwe. Notre nouveau Igwe. Ah. Chimereze premier du royaume d'Amoku. Tcha 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 Anuku Kwenu Kwenu Kwezo. Timérèse premier du royaume d'Amoku. Oui, oui. Amoku Kwenu. Yeah. Amoku Kwenu. Yeah. Amoku Kwezo. Igwe.
Aujourd'hui, c'est un jour génial. Le plus merveilleux et un grand souvenir pour ma vie. Et de même, pour la terre des Amoko. Oh non. Igwe. Les autres anciens. Igwe. Je renonce mon peuple en tant que membre du cabinet de ce royaume. Igwe. Je vous remercie énormément parce que vous avez fait merveilleusement un grand travail. C'est pour la première fois dans l'histoire de ce grand royaume d'avoir un homme aveugle comme roi. C'est la volonté des dieux. Oui. Je promets que je ne serai pas un traître. Et je ferai des Amoko le plus beau royaume. Igwe! Ono Biko. Oui, ma femme et ma mère. Biko, non. Igwe. Oui, ma femme et ma mère. Ils attendent. Oui. Ok. Et même toute la communauté entière d'Amoku vous attend des Yor afin de partir exhiber vos premiers pas de danse. Alors, mes anciens, je pense que nous avons fini avec cette réunion. Oui, oh non. Il est temps pour nous maintenant de procéder avec la suite du programme. Votre Majesté. Hein? Attendez, nous allons vous aider. Tenez votre canne. Doucement. Ah oui. Non, pas là-bas, ici. Cher peuple du royaume d'Amoku, je suis fier de vous annoncer que nous avons maintenant un nouveau roi et une nouvelle reine. Et sans vous faire perdre votre temps, je vais vous présenter le nouveau Igwe et la reine du royaume d'Amoku avec ses titres de Chimereze 1 d'Amoku. Attendez, maintenant nous allons les sortir ici. Thank you.
enfin, Sougo. Je viens en paix. Denis, mon frère. Je suis venu demander pardon pour tout. Désolé pour toutes les peines que je t'ai causées. Je suis désolé pour toutes les mauvaises choses que je t'ai faites. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur et pardonne-moi. C'est ok. S'il n'y avait pas de péché, nous serions tous parfaits. Je voulais que tu puisses comprendre que rien ne pouvait rompre notre fraternité. Je t'ai toujours voulu de comprendre que tu es mon frère. Mais tu voulais pas m'écouter. Je t'ai aussi confié que tu l'es lorsque j'ai appris que le Dieu m'a choisi pour devenir roi. J'avais voulu tout en parler. Mais tu ne voulais pas écouter. C'est ok. Je t'ai pardonné.
que tu es venu faire ici? Ne me mets pas dehors. Je vais discuter. S'il te plaît. Je reviens du nouveau palais pour te chercher. On m'a dit que tu es venu ici pour récupérer tes affaires. Et j'ai décidé de te suivre ici. Ma sœur, je voulais m'excuser pour tout le peine que je t'ai causé, toi et ton fils. S'il te plaît, ma sœur, pardonne-moi. C'était stupide de penser que j'allais changer la volonté de Dieu. Mais j'étais têtue. Dieu merci, il a réveillé ma conscience. Je veux que nous... que nous soyons encore heureuses. S'il te plaît, ma sœur. J'avais souhaité être au couronnement, mais on ne m'a pas laissé venir. Je suis désolée. Mais quand j'avais vu mon fils venir s'humilier devant vous, je n'avais plus le choix que de venir m'excuser auprès de toi, ma sœur. Non. Ma sœur, s'il te plaît, pardonne-moi. Tout ce que je veux, c'est que nous redevenions la bonne famille que nous étions. Je aime ma sœur. Je aime mon sang. Le sang, je dirais, est plus fort que l'eau. Je veux aussi m'excuser auprès de toi pour tout ce que je te fais de mal. Je ne l'ai jamais prévu. Je suis désolée. S'il te plaît, revenons comme nous étions. Je te pardonne. Ma sœur, il y a quelque chose que je vais te demander. Juste, demande-moi tout ce que tu veux, je vais le faire pour toi. S'il te plaît, je te demande au nom de Dieu, veux-tu restaurer les yeux de mon fils? Je sais qu'il t'a beaucoup causé du tort. Je sais que nous étions méchants envers toi. Je le sais très bien. Mais s'il te plaît, restaure ses yeux. Je t'en supplie, ma sœur, s'il te plaît. Il ne peut pas travailler ainsi. Non. Ma sœur. Écoute. Je ne peux pas rendre mon propre fils aveugle. Ma sœur, crois-moi. Je n'ai rien à voir avec cet aveuglement. Ma sœur, je n'ai rien à voir à propos de ça. Mais qui est derrière ça? C'est pas moi. Mais c'est pas toi. Qui veut le faire? Je ne sais rien à propos de ça. Oh, c'est pas toi qui veut être à la base de ça. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Amen. On m'avait transféré vers une autre paroisse, Dokdoko, d'aller continuer avec l'œuvre du Seigneur. En fait, c'est normal avec nous les prêtres, c'est après chaque 3 ans, un prêtre doit être changé. Oui, je suis affecté. Voilà pourquoi je suis revenu pour rendre hommage au roi. À mon arrivée ici, je vous ai vu tous. Oui, en bonne santé, père. Avant de quitter pour venir ici en ville, nous vous avions informé. Alors, nous voilà. Je te souhaite le bienvenu ici au royaume. Merci beaucoup, à Dieu sur la gloire. Aussi, quand je t'ai arrivé à la procure de la paroisse hier soir, les seigneurs m'avaient révélé concernant un roi aveugle. Je suis sûr, toute la révélation concernait que la famille. Oui, l'ennemi s'est levé.
pour lui faire souffrir. Oui, pour lui rendre inactif toute sa vie. Ils ont fait des proclamations négatives contre son nom. Ils ont projeté une maladie pour lui rendre aveugle. Et dès là, il va souffrir jusqu'à la mort. Ils ont lié toute sa vision et l'ont jeté dans une profonde rivière appelée Mirogu. Frère Denise Leigwe. Ils ont mis toute ta vie dans l'obscurité complète. C'est pas vrai. Père, nous avons fait tout ce qui est de notre possible pour que mon mari retrouve la fille. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce que je suis en train de dire. Vous combattez un combat physique et vous avez oublié les combats réels, les combats des dieux, les combats spirituels. Êtes-vous en train de dire que c'est possible que je puisse voir à nouveau, c'est ça, hein? Frère Denise, vous êtes les Igwe. Même dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 1 à 37, les dit clairement. Avec Dieu, tout est possible. Matthieu 7, 7, il est dit, demande et tu recevras. Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Vous devez aller à Mirogu, à la même rivière. Là où on avait jeté toutes ces choses qui ont été liées à ton nom. Vous irez pour puiser pour moi l'eau de cette rivière. Je chargerai cette eau pour couper toutes ces malédictions, te libérer. Parce que celui à qui un serviteur de Dieu a libéré doit vivre libre, franchement. Mais avant de commencer avec ceci, nous devons faire 3 jours de jeûne et prière. Père, s'il te plaît, tout ce que vous allez nous demander pour faire afin que mon fils voie, nous sommes prêtes. Même si c'est impossible, même si c'est pour jeûner, nous allons le faire. Oui. Maman, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. La Bible dit, n'ayez pas peur de méchants. Votre fils ici présent se rappelle ce que dit la Bible. Livre de Luc 30 à 10. Il est dit, il n'y a rien qui est difficile à Dieu. Je vous assure que votre fils ici présent, ses yeux verront encore. Amen. Je vais dire, prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes presque lentement, arrivés. Mon roi. Hein? S'il vous plaît, lentement, lentement. Lentement, s'il vous plaît. Lentement. Ok. S'il vous plaît, doucement. Doucement. Attendez. S'il vous plaît. Ok. Lentement. Ok. Est-ce que vous entendez les bruits de l'eau? Ok, s'il vous plaît, nous sommes arrivés. Est-ce que je peux vous aider à puiser de l'eau? Ah, non. Laisse-moi prendre. Ok. Vous êtes sûr, mon roi? Je le prends. Laisse-moi même puiser cet or. Ok. Vous êtes sûr, mon roi? Oui, j'en suis.
une autre bouteille? Tu buvais depuis le matin. Qu'est-ce que c'est? J'espère que tout va bien. J'avais appris que Grand Phare Denis a réussi à aller puiser de l'eau dans la rivière Inogo. Cela veut dire qu'il pourra voir à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne suis pas un révérend père. C'est ce que j'ai entendu. Mais normalement, nous étions censés être là. En tant que membres de famille. Ça ne sera pas nécessaire. En fait, as-tu déjà fini de préparer la nourriture? Oh, la nourriture, c'est encore sur le feu. Continue avec ta boisson le temps que je vérifie ce que fais, fais vite et serre-moi la nourriture. Ma belle, donc tu es encore là? Pendant que tout le monde se précipite pour aller au palais, qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais rien. Je ne suis au courant de rien. Le révérend père va restaurer la vue de notre roi aujourd'hui. Hey! Es-tu sûre de ce que tu dis? S'il te plaît, attends-moi. Attends-moi, je pars rapidement changer les vêtements à la maison. Je suis impatiente de voir cela. S'il te plaît, attends-moi. Adana, ne t'en va pas. Attends-moi, j'arrive. Attends qu'on parte ensemble. S'il te plaît, arrêtez cette cérémonie. Je dois y aller. Dieu bénisse cette eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, Père, tu m'as révélé que dès que j'utilise l'eau de la même rivière Miroku, la vue de votre fils reviendra normale. Je le fais, Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Mon fils, tu vois maintenant? Non. Ouvre bien tes yeux. Ouvre bien les yeux. Je ne vois rien. Ah, père. Mais père, qu'est-ce qui se passe encore? Père, tu as dit quand tu vas faire ça, il va retrouver la vie. Père, qu'est-ce qui ne va pas? Mon mari n'a pas vu. Certainement, il y a un ça ne va pas quelque part. Ne me dis pas de me calmer. Ne me dis jamais de me calmer. Tu m'as donné ta parole qui ne retrouvera jamais la vue. As-tu déjà oublié ce que tu m'avais dit? Tu m'avais dit que Denis a 4 jours pour vivre. Je veux vraiment que je sois le prochain roi. Fais quelque chose, les aimants. Oh non, Romoumé. Calme-toi. Ichenduka, calme-toi. Comme je te l'avais dit, il n'y a personne, que ce soit même son Dieu, qui peut guérir son aveuglement.
Je ne t'ai jamais fait jouer avant. Et je ne te ferai pas échouer maintenant. Hey! Le grand Ebunka. Honore au moment. Un coup de main qui est de mano, on quitte quoi? Ora Simba. Ou est-ce que tu as un ruka? Ofunaya. Hey! Ou est-ce que tu as un ruka? Makano kwelu reru warogodo ukukubia ukorokorokrogodo. Un enfant qui lave son visage avec l'eau pimentée attire la maladie d'aveuglement en lui. Olo le nume. Ane deziboya no kwazu. Ok, prends ceci. Cours vite vers le palais. Quand tu arrives là, parle avec ça vers l'entrée du palais. Et rappelle-toi, ne traverse pas ces substances. Tu cours vite, tu pars à la maison. Alors laisse le grand Ubunka combattre ce combat pour toi. Le grand Ubunka a réussi de dire aussi, hey, Ubwe Ubende Tayatoyoto. Hey, c'est ça la solution. C'est ce que nous devons faire. Voilà les deals. Je ferai exactement ce que tu m'as dit de faire. Ok. Voici mon offre. Et quand on veut ça, va toujours combattre avec toi. Quand il n'aime de la yaya, quand il y a des poisons, il y a des poisons. Il y a des poisons. Il y a des poisons. Je te reviens. Oya barowe. Kweme che sobia. Hey. Mon Seigneur Dieu, tu le dis clairement dans la Bible que tout ce que tu m'entendras dire, c'est ce que tu feras. Seigneur Dieu, tu m'as choisi que tout ce que nous te demanderons nous seront accordés. De ce fait, Dieu, je te demande, ton humble serviteur, je sais que Dieu n'a jamais failli. Il peut voir, maman. Mon fils. Hey. Dieu, mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est les rois. Je te remercie, Père. Ok. Merci, Père, d'avoir exaucé nos prières. Qu'est-ce que je pense? Merci beaucoup, Père, parce que tu as délivré ton serviteur. Tu es Dieu puissant, Dieu des miracles. Reçois l'honneur et la gloire, Père. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Père, de m'avoir utilisé parce que tu m'as choisi. Tu as combattu les bons combats. Père, tu as remporté la victoire. Tu restes le même Dieu aujourd'hui, éternellement. Tu n'as jamais changé. Tu es inchangeable, oh, Jésus. Mon fils, merci. Ton nom oh ne Dieu, change pas. Merci. Père, oh Dieu. Je te remercie merci, pour le merveille. Oh. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code
plus 234 si vous êtes à l'extérieur. À Forevo, le guichet unique pour tout divertissement. Chico.